Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et très impatiente pour vous présenter ce haul beauté du mois d'octobre. On y va, c'est parti. Alors, pour ce haul beauté du mois d'octobre, nous allons commencer par des bijoux. Un partenariat bijoux avec la marque Anna Luisa. Ensuite, nous allons avoir du Vinted, du The Body Shop et du Beauté Privée. Allez, donc on y va, c'est parti. Alors, je vais vous parler du partenariat que m'a proposé la marque Anna Luisa. Je vous ai mis le petit logo juste ici. Donc, c'est une marque de bijoux qui est américaine. L'équipe de designers est basée à New York. Les bijoux sont fabriqués dans des usines contrôlées à travers le monde. La philosophie d'Anna Luisa est de rendre le luxe accessible à tous. Ce sont des bijoux fabriqués sans nickel et hypoallergéniques. Donc cette marque propose des bijoux chic et tendance et je vous invite donc à visiter son e-shop. Vous aurez tout en barre d'infos ainsi que mon code promo dont on parlera tout à l'heure. Anna Luisa propose des bijoux fabriqués en laiton plaqué or et en argent sterling plaqué or. Par-dessus le laiton plaqué or est déposée une couche épaisse d'or recyclé 14K pour avoir un bel éclat. Donc avec ce matériau, ils vous garantissent résistance et durabilité. Pour les bijoux en argent sterling plaqué or, c'est de l'or évidemment recyclé et composé de 92,5% d'argent pur. Toutes les pierres sont fabriquées en laboratoire. Elles ont la même clarté, la même brillance que des diamants naturels. Donc c'est une marque qui respecte l'environnement. Voilà, déjà ça m'a beaucoup plu. Rien que ça, je trouve que c'est très très important. Et donc comme vous avez pu m'entendre dire matériaux recyclés, voilà, donc c'est une société je trouve innovante qui inclut donc des produits, des matériaux recyclés dans ses bijoux. Donc j'ai accepté ce partenariat avec Anna Luisa. Voilà, parce que j'ai bien aimé le concept, faire attention à l'environnement, des matériaux recyclés, voilà. Le prix aussi, je trouve intéressant. Leurs bijoux commencent à partir de $39. Et pour toute commande, je vous propose un code promo de 10%, Gabriel10. Voilà, il va s'afficher donc sur la vidéo. N'hésitez pas donc à checker en barre d'infos, vous avez le lien directement sur leur e-shop et je reprends aussi le code promo. N'hésitez pas, Noël approche à grands pas, donc pourquoi pas faire plaisir à vos proches avec ce petit code promo. Vous allez voir des bijoux chic, tendance, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Je sais que vous les aimerez. Donc je vais vous montrer donc les bijoux qu'ils m'ont offerts donc, dans ce partenariat. Alors donc je vais vous faire un gros plan sur les boucles d'oreilles. Donc ce sont des mini créoles avec un petit fil de chaîne qui pend devant et derrière avec des petits diamants, voilà, des petits strass. Voilà, je trouve très 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 chic. Elles sont très faciles à enlever, je vous montre. Voilà, juste vous clipez et c'est une ouverture comme ceci. Voilà, et donc ensuite il suffit de bien refermer et de bien actionner le petit cliquet pour pas les perdre évidemment. Voilà, donc très 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 facile à mettre, franchement très 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 facile à mettre. Ensuite je vous montre ce magnifique collier. Voilà, donc voyez le petit la petite lune. J'ai bien aimé aussi le nacré blanc qu'il y a à l'intérieur. Et puis la chaîne est magnifique. Vous avez plusieurs petits œillets pour actionner au niveau de la longueur de la chaîne. Voilà, elle est très, 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 très belle. Je trouve que ça fait très chic, très tendance, assez classieux du coup. Et ça peut passer avec n'importe quelle tenue. Voilà, moi franchement, je trouve très, très, très fin, très, très joli. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre paire de boucles d'oreilles. Alors, donc, tout d'abord, je n'ai même pas pensé à vous présenter. Donc, j'ai reçu donc, les bijoux dans une petite boîte. Donc, c'est la boîte aussi est en papier recyclé, le petit carton d'envoi. J'adore rien que ça aussi.
Et donc, j'avais eu un petit mot. Voilà, une jolie petite carte. Voilà, avec leur QR code, qu'ils me remercient. Voilà, je trouvais ça très, très joli. Tout simple, mais efficace. Et donc, les bijoux sont arrivés dans des petites pochettes en feutrine comme ceci. Donc, ils sont refermables, en plus, vraiment très, très pratiques. Et donc, les bijoux étaient accrochés. Donc, voilà, les boucles d'oreilles dans un petit cartonnet avec Anna Luisa. Voilà, couleur gold 14K, etc. Voilà, vous avez la petite description à l'arrière. Pour offrir, je trouve ça déjà tout chic. Vous n'avez pas besoin de faire un paquet cadeau supplémentaire. Vous avez déjà une jolie pochette avec. Voilà. Donc, le troisième produit, ce sont ces boucles d'oreilles. Voilà. Quand je les ai vues, mais j'ai craqué complètement dessus. J'aime tous les trois de produits. Mais je crois que ces boucles d'oreilles sont mes préférées. Mes préférées. Je les adore. Je les trouve tellement belles. Ça fait un petit peu esprit vintage, céramique, années 80. J'adore. Donc, je vous laisse regarder celle-ci. Et je vais vous montrer l'actionnement de la boucle d'oreille. Alors, donc, je vous montre. Alors, donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez le petit cliquet donc, à mettre à l'intérieur de votre trou d'oreille. Et vous actionnez le petit clipet. Voilà, pour bien refermer votre créole. Donc, voici le devant et le derrière, donc, est tout doré. Voilà. Donc, elles sont très, très, très légères. Franchement, moi qui n'aime pas trop quand ça pèse, de peur de m'étirer les trous d'oreilles, elles sont vraiment très, très, très belles. Voilà. Je suis vraiment très, très, très contente. Je vous remercie, Anna Luisa, pour ce partenariat. Vraiment, ce sont des bijoux magnifiques. Comme je vous ai dit, tendance, agréable à porter, qui peuvent passer... avec tous les vêtements. Voilà, donc je suis très très contente de vous présenter ces bijoux parce qu'ils sont vraiment d'une très très belle qualité. J'adore, j'adore, j'adore. C'est pour ça que je me suis permise de vous proposer ces bijoux. Voilà, donc je vous laisse avec les bijoux et puis ensuite on se retrouve pour la suite du haul. Vinted, j'ai acheté qu'un petit truc. Je me suis commandé des chablons pour allonger les ongles en gel. Voilà, je n'avais pas du tout de chablon. Voilà, donc c'était un prix vraiment très très raisonnable. Donc j'ai pris le rouleau. Et puis la fille sur Vinted m'a offert deux blocs polissoir blanc. Donc ça, c'est super utile. Voilà, j'étais très contente. Et d'ailleurs, je lui ai marqué sur le commentaire à la réception du colis. Voilà, je trouvais très très gentil d'offrir deux petits blocs pour l'histoire. Voilà, donc ça, je vais pouvoir me perfectionner au niveau des ongles. Voilà, puisque là, j'ai pratiquement fini la théorie. Il va falloir que j'attaque la pratique. Donc, même si je me l'ai fait déjà, c'est pas aussi bien fait. Voilà, donc il me tarde de commencer et je pense essayer justement cette semaine. Ensuite, j'ai profité d'un très, très, très bon plan chez Lidl de la marque Sienne. Sur les réseaux sociaux, il est passé un petit coup vite fait comme ça à faire. Hein. Donc, ce produit, donc c'est une trousse avec une lotion solaire pailletée, une crème de douche, un lait pour le corps, shampoing et après shampoing 2 en 1 et un déo. Voilà, donc j'ai tout remis un petit peu à l'endroit pour vous montrer. Voilà, donc à la coco, vous savez, mon bonheur, voilà, dès que j'entends parler de coco. Donc, j'ai envoyé maman à fond la caisse ce jour-là. J'ai dit, maman, essaye de me trouver ces pochettes. Parce qu'en fait, elles étaient à la base à 8 euros. Je les avais déjà vues, un petit peu moins de 8 euros. Et là, elles étaient en promo à 4 euros et quelques. Mais en fait, elles passaient à 1 euro en caisse. Donc, j'ai dit, maman, tu en prends une, tu testes. Si ça passe à 1 euro, tu retournes, tu m'en prends une autre pour quelqu'un d'autre. Je voulais faire un petit cadeau surprise, donc du coup, à quelqu'un.
Bon, mais si elle regarde la vidéo, ben, elle verra plus tard combien ça a coûté. Mais bon, c'est pas l'essentiel. C'est le geste qui compte. Voilà, puis bon, je trouve que pour 1 euro, ben voilà, autant faire profiter quelqu'un d'autre. Donc, je suis super contente parce que ce sont des formats voyage, mais voilà, ça vaut le coup de toute façon. Donc, un déo, après, je ne sais pas hein, vraiment si c'est. J'espère que c'est sans aluminium, mais le déodorant, parce que sinon, je ne l'utiliserai pas. Non, je ne le vois pas marqué. Ça va, ouf. J'ai eu peur. Non, je ne vois pas. C'est sans sel d'aluminium. En tout cas, normalement, ça doit être marqué. Je vous le montre de près. Peut-être que vous, si vous voyez, vous pourrez agrandir et vous verrez. Voilà. Vous me direz, mais moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Voilà. Donc après, ce sont voilà, des petits formats voyage. Et ça fait 50 ml. Voilà. Donc pourquoi pas, écoutez. Hein. Ouais, ça sent la coco. Bon, après, on verra niveau efficacité. Et après, lotion pailletée solaire. Bon, mais ça, par contre, je vais pas l'utiliser forcément. Mais pour mettre dans le sac, voilà, ça peut servir. Donc, voilà mon petit bon plan. Je ne sais pas, peut-être que vous pourrez essayer. Hein, peut-être que c'est toujours bon. Hein, si vous en avez dans votre Lidl, vous avez la trousse et 5 produits, 1 euro. Hein, donc, tentez le coup, hein, peut-être que ça va passer. Ensuite, j'ai fait une commande sur The Body Shop puisque je voulais le calendrier de l'Avent. À la fin de la vidéo, je vous montrerai ma tenue parce que vous avez été nombreuses à me dire « Montre-nous ta robe portée. » C'est la robe que j'avais achetée chez Noz, en espèce de sky, de faux cuir. Et après aussi, je vous montrerai les photos, enfin, la photo de mes calendriers de l'Avent. Donc, vous savez, ce ne sera qu'en décembre. Alors donc, ma petite commande sur The Body Shop, donc en même temps quand j'ai commandé le calendrier de l'Avent, il y avait un code promo particulier. Si on achetait à partir de je ne sais plus combien, on avait droit à un lot de masques. Au lieu de 18 euros, ça passait à 5 euros. Et en fait, alors donc je le mets à l'endroit, face masque kit. Voilà, donc c'était ceci, c'était un kit avec 3 masques. Il y a autre chose avec que j'avais même pas fait attention. Donc ça, je l'ai payé 5 euros du coup, au lieu de 18 euros. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a avec une lingette? Qu'est-ce que c'est? Je vais le sortir. Ah non, c'est un bandeau. Avec, voilà, il y a un bandeau en plus pour 5 euros. J'ai 3 masques et un bandeau. Voilà, c'est le bandeau qu'on met. En plus, il a l'air vraiment costaud. Hein. Vous savez, qu'on met comme ça, là, tac. Il a l'air vraiment costaud, hein, en éponge. Il a l'air vraiment super. Et donc, avec, nous avons 3 masques. Hein. Himalayan Charcoal, Chinese Ginseng and Rice and British Rose. Je voulais faire l'anglaise, hein, mais bon. Alors, donc, quand on ouvre, c'est comme ceci. Voilà. Alors, donc, masque gommant illuminateur, c'est le chinoise ginseng and rice. Voilà, donc, au ginseng et au riz, je suppose. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose en français, comme d'habitude, vous savez. Hein. Masque visage, rincé après 5 à 10 minutes. Donc, si c'est un gommage, masque gommant, voilà. Bon. 5 à 10 minutes. Après, nous avons... Masque purifiant éclat, Himalayan charcoal, donc c'est du charbon de l'Himalaya. Hein. Masque visage rincé après 5 à 10 minutes aussi. Donc en fait, ce sont juste des masques à poser. Voilà, bon, après c'est tout petit format, c'est 15 ml, pardon. Mais bon, on doit me faire au moins 2 fois quand même. Hein. Et puis pour le prix, 5 euros. Masque frais repulpant à la rose anglaise. Pareil, masque visage rincé après 5 à 10 minutes. Voilà. Donc, je trouvais que ça valait super le coup. Franchement, qu'une affaire. Et avec, donc, j'ai eu des échantillons. Voilà, j'essaie de regarder. Alors, j'ai eu un concentré jeunesse. Drops of Youth. Voilà, c'est une nouvelle formule. Un petit échantillon comme ça.
pour voir qu'est-ce qu'ils en disent, parce que je ne connais pas du tout. Concentré visage pour une peau d'apparence plus jeune, appliqué matin et soir. Bon, c'est un concentré, ça doit être un sérum, je suppose. Bon, je vais tester ça pendant les vacances. Et après, qu'est-ce que c'est que j'ai eu? Tea tree, huile d'arbre à thé. Donc ça, moi, vous savez, j'invente toujours les mérites aussi. L'huile d'arbre à thé, c'est très très bon pour déjà tout ce qui est problème cutané. Donc si vous avez vraiment un bouton d'herpès, il faut mettre ça. Si vous avez un gros bouton bien infecté qui ne veut pas partir, vous mettez un petit peu de ça. Je crois qu'on peut en mettre 2 à 3 fois par jour, mais une petite goutte. Il faut faire très très attention avec les huiles essentielles. Et ensuite, pour les problèmes de mycose au pied, voilà, ça aussi c'est très très bien. Enfin bon, voilà, c'est très bien. Ce genre de produit, c'est top. Donc je suis très contente d'avoir ça parce que ça peut servir à quelqu'un. Je le garderai dans mon sac. Voilà, parce que des fois, si quelqu'un a un petit souci, tiens, voilà, j'ai ça. Donc pour The Body Shop, eh bien, écoutez, c'est tout. Je vous montrerai le calendrier, mais vaguement comme ça tout à l'heure. Donc c'est ça. Voilà, voilà, je regarde mon ticket de mon bon de commande. Voilà, j'ai rien oublié, j'avais acheté que ça. Ensuite, on va passer à beauté privée. Alors, beauté privée, j'ai acheté 2-3 petits trucs. Hein. Donc, à la base, c'était pour un produit de chez Nuxe que je vous montrerai à la fin. Et du coup, j'ai trouvé 4 bricoles de plus. Bon. Alors, donc, j'ai pris un pinceau de la marque Yua Cosmetics au bambou. Donc, c'était à la base un pinceau estompeur. Voilà. Bon, je le trouve un peu gros finalement. Pinceau à paupières en bambou. Ouais. Pour intensifier et estomper, ils disent. Je vais le sortir parce que de toute façon, après, je vais le nettoyer. D'ailleurs, il va falloir que je nettoie tous mes pinceaux là que je suis en congé. Il faut moins que j'y pense. Hein, parce que j'ai loupé une session de nettoyage hein, la semaine dernière. Hein, et je ne l'ai pas fait. C'est pas bien. Voilà. Il est très, très, très doux. C'est impressionnant. Voilà. Et le manche est en bambou. Par contre, il y a le numéro. Non, il n'y a pas de numéro. Si. 41004. Vous voyez, c'est juste là marqué. Si ça peut vous intéresser. Voilà. Bon, moi, je le trouve un peu gros finalement. Bon, parce que dès comme ça, j'en avais déjà un. Bon, tant pis. C'est vrai que des fois, franchement, sur le net, quand on achète les pinceaux, quoi. Bon. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une mini palette. Hein, pareil de You Are Cosmetics. Donc ça, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pour en avoir une de passe. Des fois, pour faire un petit cadeau. Voilà, je vous l'ouvre juste à peine parce que c'est vitreux, n'y voit rien. Mais j'adore ces teintes. Hein, c'est très, très, très joli. Voilà, pour avoir voilà, un petit quelque chose à offrir. Voilà. Elle était vraiment pas chère. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Ensuite, j'ai trouvé un masque pour les mains. Donc ça, en fait, c'est vachement bien. Donc celui-ci, gant masque réparateur à la pêche de la marque Iroa Nature. Traitement intensif. Donc, il faut s'en servir 15 minutes. Voilà, il faut laisser poser 15 minutes. Donc, masque réparateur pour les mains et les ongles à la pêche. Formulé avec 16 extraits de fruits et de fleurs, urée, vitamine E et arbutine. De l'arbutine, je crois que j'avais déjà fait une recherche sur un des produits que j'avais eu. Je crois que c'était aussi dans un masque. Je ne sais plus sur quelle vidéo c'était. Et on aurait dit des baies. Il me semble que ça ressemblait à des baies. Formule professionnelle pour un soin réparateur et nutritif intense, spécial main sèche et abîmée. Profitez d'un soin professionnel à domicile, rapide et efficace. Format innovant de gants à double couche. Intérieur en tissu pré-imprégné de sérum. Extérieur imperméable. Créant ainsi un effet sauna pour une action intensive en seulement 15 minutes. À utiliser au moins une fois par semaine. Voilà, donc il faut les garder 15 à 20 minutes. Ne pas rincer. Terminé par un doux massage. Voilà, ne pas utiliser sur peau abîmée. Donc, on vous dit quand elles sont très sèches et très abîmées, mais finalement, si elles sont abîmées, si vous avez des gerçures, bon, pas maintenant, mais dans l'hiver, je pense qu'il ne faudra pas l'utiliser, ça risque de vous piquer. Voilà, mais si elles sont sèches, vous pouvez le faire. Donc, ce truc, franchement, il me plaît. Il me tarde à la pêche en plus, voilà, il me tarde.
Ensuite, j'ai trouvé ce roller, enfin, un roller, pour le mal des transports. Je me suis dit que ça pouvait être utile, on ne sait jamais, prévenir et lutter contre les inconforts et désagréments du voyage. Donc, c'est la marque Pure Essentiel. Ça aussi, je vous ai déjà présenté des produits de cette gamme. J'adore. C'est vraiment super. Puis, c'est bio. Enfin, bon, moi, j'adore. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester, avoir ça dans le sac si un jour on s'en va. Si on, voilà, on ne sait jamais. Je me suis dit, ce genre de truc, j'en ai pas. Et si s'il y a besoin, ben, pourquoi pas. Bon, et pour finir, j'ai trouvé la gelée purifiante micro-exfoliante usage quotidien Aquabella de Nuxe. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais testé un échantillon que j'avais eu dans une petite commande de chez Nuxe. Je n'avais pas encore utilisé. Il me semble que c'était un échantillon dans une commande. Je ne crois pas que ce soit dans une box. Non, c'était ça, dans une commande. Je suis tombée in love complètement de cette gelée. Il y a des micro billes, même pas perles, billes, mais encore plus petits que des billes à l'intérieur. Ça sent très, très, très bon, très efficace. J'ai adoré. Certes, le prix, bon, ben, c'est pas cadeau. Mais là, c'était vraiment en plus bien soldé sur beauté privée. Donc, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Et même sur Vinted, avec les frais de port, ça revenait encore plus cher. Donc, je n'ai pas hésité à prendre ce magnifique produit. Donc, vous savez déjà, mon Nuxe, Caudalie, j'adore. Ça fait partie de mes produits préférés. Voilà, donc là, j'ai craqué. Et puis pourquoi pas continuer parce que vraiment, j'adore ce produit. Je viens de trouver au fond du carton un petit bon de 30 euros sur le site Vin Royal. Il n'y a pas de date de péremption. C'est sur un montant minimal de 60 euros. Donc, j'essaie de voir derrière si il faut renseigner le code. Non, il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas de date limite. Hein. Donc je vous glisserai dans le concours que je vais bientôt vous préparer. Puisque nous avons bien dépassé les 1000 abonnés. Donc, je tenais encore à vous remercier énormément. Donc, du coup, je vous glisserai, j'espère que vous êtes amateur de vin, je vous glisserai ceci, peut-être pour préparer les fêtes de fin d'année. Voilà, 30 euros sur 60 euros, ça peut être intéressant. Donc, je vous glisserai ça dans le concours. Voilà. Donc, c'est fini pour beauté privée. Et donc maintenant, on passe à Yves Rocher. Alors, j'ai reçu un mail. C'était ce week-end. Comment vous dire que il me tardait lundi d'y aller. Alors, donc j'avais un cadeau. Un cadeau, je suis pleine de choses. Mais là, le mail, c'était... comment ça s'appelle? Le coffret Noël. C'est un coffret Noël, je crois que ça s'appelle. Kit Noël, pardon. Bonbonnière à la mûre à 3,95€ si j'achetais à partir de 5€ d'achat. Donc, comment vous dire que j'ai pas hésité. Et en plus, j'avais 50% sur 5 produits. Donc, j'ai craqué un petit peu. Alors, donc j'ai pris la bonbonnière. Elle est magnifique. Mais c'est superbe. Franchement, 3,95€ ce truc. C'est magnifique pour mettre sur ma coiffeuse. Je vais kiffer. Donc ça, là, ça ne sert à rien. C'est juste pour faire joli. Donc, à l'intérieur, nous avons... J'ai adoré. Quand la fille m'a tout présenté, j'ai adoré. Une crème main. Donc, mûre gourmande. C'est pas beau, ça? Franchement, rien que les couleurs, mais... Oh, j'adore. Ensuite, ça, vous allez voir. Un gel nettoyant main. Voilà, ils se sont mis à faire des gels nettoyants. Je trouve ça super. Donc, en plus, à la mûre. Oh, j'adore cette odeur. Oh! Ah, mais au moins, j'ai le nez propre. Hein. Mais chaque fois, il faut que j'en fasse une. Hein. C'est pas possible. Oh, je le nez désinfecté. Bon, bref. Ça sent terriblement bon. C'est pas possible. Chaque fois, il faut en faire une. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on a? Un petit gel douche de 50 ml.
Voilà. Et pour finir, évidemment, le petit baume à lèvres. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà. Baume à lèvres, voilà. De la même gamme, Mûre Gourmande. Donc, pour Noël, c'est Mûre Gourmande. Donc, j'adore. J'adore, j'adore. Ça, vraiment, la mûre, c'est une odeur que j'ai toujours aimée. Et quand j'étais dans le magasin, et une fille bon, qui était à la caisse avant moi, j'entendais qu'elle disait... Donc, cette année, voilà, ben justement, c'est quoi pour, pour Noël, comme packaging, l'odeur? Donc, la vendeuse lui dit, voilà, ben c'est la mûre. Ah, mais vous avez fait un parfum aussi? Et là, au grand regret de tout le monde, non. La fille a dit non. C'est bien dommage qu'il n'ait pas sorti au moins une brume parfumée à la mûre. Franchement, c'est trop dommage. Là, vraiment, Yves Rocher, vous avez déconné. Franchement, ils auraient dû vraiment sortir une brume ou un petit parfum, une eau de toilette. Franchement, là, ça aurait fait un carton. Parce que pour celles qui aiment la mûre, vous allez voir. Si vous allez l'acheter, cette petite bonbonnière, vous allez vous éclater. Bon, du coup, je me suis rabattue sur autre chose. J'ai pris une des dernières nouveautés en eau de toilette. C'est une édition limitée de My Vanilla Garden. Voilà, donc j'ai pris ce petit parfum, enfin, cette eau de toilette. Voilà, donc elle me dit, vous voulez essayer? Non, non, j'ai dit, c'est sûr que je vais aimer. Je vais vous dire à quoi ça sent, mais c'est une tuerie. Alors, de pétillantes notes acidulées de mûres et d'orange, réveillant une vanille gourmande et enveloppante. My Vanilla Garden, la promesse d'un accord délicieusement surprenant. Voilà, donc comment vous dire que je suis aux anges. Ça, c'est voilà, c'est super comme odeur, j'adore. Bon, puis finalement, j'ai craqué pour le fond de teint zéro défaut. Une de mes abonnées m'avait demandé si je comptais le tester. J'avais dit oui, mais j'attends les soldes en fin d'année, nana. Bon, puis finalement, comme j'y étais... la vendeuse était vraiment dispo et c'est la même que j'avais eue la dernière fois quand j'avais acheté le bébé peau parfaite. Voilà, elle m'avait bien aidée au niveau de la teinte. D'ailleurs, je lui ai redit qu'elle avait été super. Et donc, du coup, c'est elle qui m'a servi. Et donc, du coup, elle m'a aidée à choisir la teinte de celui-ci parce que franchement, ça a été un peu compliqué. On en avait testé dans le orangé, mais ça ne m'allait pas du tout. C'était pas joli. Et du coup, elle m'a fait pencher vers le rosé et j'ai pris rosé 300. Donc, on le testera d'ici quelques temps dans une vidéo, justement. Donc, je ne sais plus ton prénom, excuse-moi. Mais tu vois, j'ai pensé à toi et on va le tester. Voilà. Et puis, pour finir, eh bien, écoutez, j'ai eu des cadeaux. Alors, j'ai eu un vernis à ongles Go Green. Donc, une jolie teinte. C'est pas framboise, c'est plus rosé, un peu fuchsia. Il est très, très beau. Et en plus, leurs pinceaux applicateurs, ils sont super. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est un joli rose. Très, très, très beau. Je suis vraiment contente. Je ne pensais pas avoir un vernis. Et ensuite, j'ai eu ce petit kit. Donc, à l'intérieur, nous avons des limes à ongles. Donc, ça, c'est super pratique. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Ça fait comme un petit livre. Et vous avez de très, très jolies petites limes à glisser dans le sac. Donc, vous en avez trois. Pardon. Voilà, ce ne sont pas les mêmes. En plus, les trois, elles sont trop jolies. Bon, le derrière est une nid. Mais franchement, c'est génial. Voilà, et puis après, vous refermez votre petit packaging. C'est top. Et ensuite, elle m'a glissé deux. Je ne sais pas pourquoi deux, mais elle était sympa. Enfin, remarquez, j'en ai pas eu pour cher. Hein. Vous avez vu, je vous mets les prix sur la vidéo, mais j'en ai pas eu pour cher. Donc, elle m'a glissé deux petits sérums quotidiens fortifiants anti-pollution élixir botanique. Donc, ça, c'est une des. Ben, c'est la dernière gamme. Voilà. Elle m'a dit, vous pouvez mettre ça matin et soir avant votre crème hydratante. Matin et soir. Donc, du coup, ben, elle m'en a donné deux. Je sais pas pourquoi. Mais bon, merci à cette jeune fille. Voilà. Donc, le haul est terminé, ça y est. Bon, je n'ai pas fait un big haul, mais quand même.
Je trouve que j'ai acheté pas mal de choses, hein, mais c'était dans des bonnes promotions. Je trouve que j'ai fait de belles affaires. Donc là, maintenant, je vais vous montrer la tenue avec cette jolie robe que je n'ai pas repassée. Ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais essayer avec le... Comment ça s'appelle l'appareil là qu'on tient, pas un pressing, mais celui qui est à main là. D'un coup, je ne trouve plus mes mots. Le machin là que je me suis fait offrir. Bon, eh bien, je ne sais plus. Hein, voilà. Le truc qui défroisse. Ben, le défroisseur, bon sang, voilà. Donc, j'aurais peut-être pu essayer au défroisseur, mais à l'envers. Bon, je testerai, mais j'ai tellement peur de l'abîmer. Donc, je vous montre ma petite robe. Et puis ensuite, je vous montre les calendriers. Voilà. Donc, cette jolie robe, elle est vraiment magnifique. Voilà, je la kiffe. Bon, là, par contre, c'est vrai que j'avais mis un tout petit débardeur satiné dessous parce que le décolleté est trop V, quoi. Soit il faudra que je remonte un petit peu les bretelles, mais j'ai pas envie de la toucher. Voilà, donc je pense que je mettrai un petit caraco dessous, quelque chose d'un dentelle ou voilà. Mais après, bon, pour l'hiver, oui, je mettrai quelque chose à manche longue. Voilà, donc elle est vraiment très très jolie, je l'adore, hein. Vraiment très belle, ça fait vraiment bien souligner. Puis voilà, hein, ça fait chic, hein. Voilà, ça fait, on peut faire un côté chic et on peut faire un côté un peu rock'n'roll, peut-être avec des bottines ou pourquoi pas. Donc, à voir. Alors, voilà mes calendriers. Donc, j'en ai pas 50, j'en ai 3. Donc là, ben, comme vous voyez, c'est The Body Shop. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir dans ce sens. On va voir si je peux au moins l'ouvrir pour vous montrer comment il se présente. Oui. Voilà. Après, vous avez... je ne sais pas si ça va tenir. Ouais, il ne veut pas tenir. Donc, c'est un relief, vous voyez. Et là aussi, on peut relever les petites décorations. Et vous avez donc ensuite, voilà, ça enlevé. Et vous avez tous les petits colis, petits cadeaux. Et je vous avouerai que quand on l'ouvre, là, ça sent très, très bon. Déjà. Donc, voilà, je le ferme bien. Après, le look fantastique, il est énorme, énorme. Alors, on va lever ça devant. Donc, vous avez un petit... Voilà. Vous voyez? Trop, trop beau. Trop, trop, trop beau. Franchement, voilà. Je me retiens, hein. Je me retiens. Et puis ensuite, vous avez derrière ben, le spa de chez Action. Bon, apparemment, il y en a qui ont dit qu'il était nul. Bon, ben, écoutez, si ça ne me plaît pas, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas grave. Je pourrais le donner, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ce haul est terminé. Je voulais vous faire un petit rappel aussi donc sur les bijoux. Voilà, n'hésitez pas, vous avez le lien en barre d'infos et je vous redonne mon code promo qui est aussi en barre d'informations. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez faire un joli cadeau chic pour Noël par exemple ou pour un anniversaire. Voilà, moi je trouve vraiment ces bijoux magnifiques. Je les ai portés sur plusieurs jours d'affilée. Je n'ai eu aucune allergie, aucune rougeur. Ils ne pèsent pas du tout, sont très légers, très chics. Voilà, donc je suis vraiment très 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 contente d'avoir eu ce partenariat. Je remercie énormément Anna-Louisa. Sur ce, je vous souhaite plein 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 de belles choses. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye !